Help me please, save the bees, make the world a bee's knees. Help me please, save the bees, make the world a bee's knees. Voilà. Et un petit peu à gauche, s'il vous plaît. Ouais. Au centre, toujours à droite, s'il vous plaît. Voilà, et là, 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 là. SLD, bien évidemment, mon cher distributeur qui me suit maintenant depuis trois films, et puis tous ses partenaires, que je ne vais pas citer parce que c'est long, mais que vous allez, voilà, que vous allez voir dans le film. Et surtout, et du fond du cœur, parce qu'il y en a beaucoup ici, ces personnes qui travaillent dans l'ombre, qui à la fin du film sont sur ce générique qui passe trop vite, toutes ces personnes, cette équipe technique qui travaille depuis longtemps à mes côtés, je vous remercie chacun d'entre vous, mais vraiment du fond du cœur, du fond du cœur. Vraiment. Voilà, je ne sais pas si cette brochette d'acteurs vous impressionne, mais je crois que ça a été mes premiers mots lorsque je les ai réunis, c'est que j'étais très intimidé, impressionné, honoré d'avoir autour de moi autant de talents. Des personnes que j'ai appris à découvrir. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est une petite famille, qu'on a pris énormément de plaisir. Et avant de leur passer la parole, je voudrais leur redire combien ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Bonsoir, c'est très heureux d'être là en effet. Alors, je remercie mon metteur en scène, déjà Nicolas Lagnier, de m'avoir choisi. C'était un plaisir de chaque seconde. Et déjà, c'est toujours très émouvant, j'ai envie de dire, d'être devant une salle comme ça, d'être devant une salle pleine, juste avant que le film sorte. C'est toujours un peu voilà, mais fragile et on a envie de dire allez-y, répondez la bonne parole demain et il faut que les salles soient pleines comme ça. Et c'est. Qu'est-ce qu'ils sont disciplinés, vous voyez, c'était ça le tournage tout le temps. Et non, j'ai rien à vous dire. Pour moi, en lisant le scénario, c'était vraiment un beau film sur l'amitié, sur ce qu'on attend des amis, sur comme c'est compliqué parfois de placer les amis dans un endroit et qu'ils n'en bougent pas, et de voir évoluer les gens qu'on aime autour de soi. Parfois, c'est compliqué parce que finalement, on a tous une image où on projette quelque chose sur nous, où on est le miroir pour ses amis de quelque chose, des fois de difficile ou de complexe. Et le film parle très très bien de ça, avec tellement de profondeur, d'abord, je dirais, d'humour et de grâce et de légèreté. C'est le scénario de Xavier Nemo, que je cite, je ne sais pas si il est là. Et moi, c'était un plaisir de connaître cet univers des vigneurs, de rencontrer ma vigneronne que j'ai suivie, qui est là, Élise Bougie, que je peux applaudir. Qui m'a appris à comprendre, qui m'a fait comprendre mieux l'émotion que c'était. Et c'est des gens qui se battent, qui sont là tous les jours, avec leur passion, leur indépendance, et c'était vraiment une leçon de voir
des gens comme ça, des indépendants qui se battent comme ça. Donc voilà, et puis c'était génial, notre groupe d'acteurs, un cadeau tous les matins. Donc c'est rare d'avoir ça, et c'est vraiment un cadeau tous les jours. Merci Nicolas, en tout cas, de ta confiance, et merci, merci d'être là, et bonne projection. J'ai pas eu la chance d'être suivie par une vigneronne, mais grâce à François Xavier, j'ai rencontré quelques vignerons, et pas les moindres. J'en garde quelques souvenirs vagues. Voilà, il y a beaucoup, vous verrez, il y a eu beaucoup de rires pendant ce film, j'espère que vous nous suivrez. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi et de tendresse, et ça, c'est aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les capacités émotionnelles de Nicolas, qui est quelqu'un de très tendre. Je vous souhaite une magnifique projection. Et autant de plaisir que nous, on a eu vraiment, et à se rencontrer et à tourner ensemble. Voilà, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime même pas encore parler. Je suis tellement content de vous voir que je vais venir vous saluer les uns après les autres, personnellement. Je voulais vous dire une chose, parce que je ne vais pas faire plus long ou moins court. La personne qui est ici à ma droite, parce que là, vous nous identifiez un peu, et la personne qui est ici, c'est la même qui est sur la photo avec des lunettes. C'est la première et la dernière fois de toute sa vie qu'on le verra comme ça. Donc si vous voulez prendre des photos, c'est maintenant. Et bien sûr, Nicolas, que je voudrais te remercier, parce que ça a été une aventure formidable. Tourner un film, c'est un peu comme... Enfin, je considère toujours ça comme une croisière. Alors, tais-toi, je suis en train de parler. C'est avec un piqué le micro. C'était un peu l'amiral qui nous a réunis sur un bateau. Et on a vraiment l'impression d'être parti pendant 2 mois en vacances, en croisière, dans cette région de Champagne. On est venu de mettre par-dessus bord dès le départ, en fait. Pardon, je sais que c'est un peu long, mais c'est comme c'est notre dernière ce soir, je vais vous raconter ma journée. Non, je vais vous dire, je voudrais vous présenter les producteurs, parce que sans eux, il n'y a pas de film et on n'est pas là tous ensemble. Donc les gens de Radar, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre ici parmi nous ? Je vous demanderai, en tant que respect, Mathieu Werther, Candy Zignon. Voilà. Ce sont des gens précieux, qui sont toujours en haut, alors on les met en lumière. Voilà. Monsieur, pour ma part, je vais terminer. Je voudrais vous saluer aussi, vous, mes amis de jeu. Parce que c'est ça ce métier, c'est du jeu. Comme des enfants, on ouvre une boîte de jeu et on s'amuse, et je me suis beaucoup amusé avec vous. Et nous aussi, cher Stéphane. Et écoutez, il n'y a pas grand chose à rajouter, ce qui a été dit, c'est très complet. Bravo. En tout cas, voilà, c'est une région extraordinaire, la Champagne. On a découvert des terroirs extraordinaires. Oui, c'est moi qui fais toujours la partie un peu office du tourisme du groupe. Je voudrais juste, excusez-moi de mélanger les gens, mais je voudrais juste dire un bon anniversaire à ma femme. C'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Elle est dans la salle aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est son anniversaire et c'est nos 3 ans de mariage. Voilà. Alors, François Xavier, les gens étaient prévenus, ils ont tous un petit cadeau pour vous. Si vous avez du vin, ça m'arrange, parce que je suis à flux tendu, hein, je vous cache pas. Donc, bonne projection, merci Nicolas du fond du cœur, on t'aime. Merci de nous avoir regardé avec autant de bienveillance, d'amour. Voilà, alors, on va laisser parler cet individu qui ne va pas bien. Non, rien, c'est déjà trop long. Non, c'est trop les le film démarre. Allez, c'est bon. A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees. Make the world a bee's knees. Help me please, save the bees. Make the world a bee's knees.